Bonjour. Voici comment ajouter rapidement un menu déroulant dans Google Doc. Donc, par exemple, ici, dans le plan de travail de la semaine, j'aimerais que chaque élève, vis-à-vis chaque tâche, ait indiqué où il est rendu. Facilement, ici, avec le menu déroulant, donc c'est facile pour lui de me dire qu'il est bloqué et que celui-ci est terminé. Donc, comment on ajoute un menu déroulant? Donc, ici, dans cette case, je vais faire le A commercial sur mon clavier et plutôt que de sélectionner le nom d'une personne, je vais aller avec les jetons intelligents et aller sélectionner liste déroulante. Donc, soit que je prends un des modèles qui m'est proposé, par exemple l'état de projet, ce qui était le cas ici. Donc, je vais tout de suite avoir mes choix d'options que je viens de voir, ou je peux également en créer un moi-même. Donc, ici, si c'est un menu que je veux créer moi-même, je vais lui donner un nom. Donc, ça pourrait être le menu pour mon plan de travail. Et là, je vais aller voir mes divers choix. Donc, mon option 1 pourrait dire non débuté. Et je choisis la couleur que je veux qu'il soit associé. Donc, par exemple, cette couleur-là. Et ainsi de suite. Si, par exemple, vous avez seulement trois options, comme par exemple ici, je vais supprimer avec la poubelle mon option. Il est aussi possible d'en ajouter plus en appuyant sur Nouvelle option. Il est aussi possible ici, au niveau de la couleur, d'aller personnaliser celle-ci. Et j'ai ma couleur de texte ou ma couleur d'arrière-plan que je peux modifier. Donc, je vais aller modifier ma couleur d'arrière-plan. Je vais aller dans le vert comme ça ici. Et je fais OK. Donc, maintenant, c'est vert. Je pourrais aussi changer la couleur du texte si je désire. Et je fais enregistrer. Donc, j'ai mes trois couleurs. Et voilà, j'ai comme ça un menu déroulant. Une fois que vous avez terminé votre menu déroulant, avec le bouton droit de la souris, je clique et je choisis dans le menu contextuel « Copier ». Et je vais dans mon autre ligne et je fais « Coller » tout simplement. Je pourrais coller sur plusieurs lignes à la fois également. Donc, voilà, c'était comment créer un menu déroulant dans Google Docs.